La joie. C'était 5 belles années. Vraiment très belles années. Et ça fait du bien d'être libérée quand même. Ouais. Là, c'est notre moment. Aujourd'hui, c'est le diplôme qui va être remis et le début d'une nouvelle vie. Merci d'être venu parfois de loin. Merci aux anciens qui sont venus nous rejoindre aussi pour ce grand moment d'émotion. Cette cérémonie de remise des diplômes tous les ans est un grand moment d'émotion, s'en lasse pas. Et cette année en plus, en fait, les 10 ans de l'école, donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc on espère que vous allez passer un très 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 joli moment. On place les diplômés et après je reprends la parole. Ma petite promo 2023, ma grande promo 2023. L'état d'esprit de l'école soit basé sur l'humain, le sérieux, l'exigence et la transparence. Et je crois que pouvoir dire que ces objectifs sont atteints. La promotion 2023, c'est une promotion attachante, comme toutes, peut-être particulièrement sérieuse, positive, courageuse, et qui a produit de très très brillants mémoires. Merci beaucoup à tous pour ces 5 années qu'on a passées à vos côtés. Vous avez été la joie, la fraîcheur, notre rayonnement tous les matins et quelque chose de très très important pour nous. Je crois que vous l'imaginez même pas à quel point. Je vais vous parler de notre équipe parce que sans elle, il n'y a rien. Parce que vous savez qu'il est toujours de bonne humeur, plein d'humour. Votre vision et passion ont donné naissance à cette école il y a 10 ans. Votre courage et votre engagement ont créé une institution qui fait aujourd'hui la fierté de tous ici présents. Vous savez autant que moi que ce diplôme n'est pas sans mérite. Et vous pouvez vous féliciter d'en être arrivé là. Ils le savent, on forme une famille, leur implication est absolument sans faille, elle ne diminue pas avec les années. Voilà, c'est la meilleure des équipes, donc ça ne change pas. Je vais appeler quelqu'un qui est formidable, irremplaçable. Élise. Je vais demander à Inès de nous rejoindre.
Mégane Noyer. Bonsoir à tous. C'est un privilège de pouvoir m'adresser à vous ce soir pour ce prix, mais également pour les 10 ans de l'école. La vocation, c'est le bonheur d'avoir pour métier sa passion. Je souhaite à tous les nouveaux diplômés un bel avenir professionnel et au futur de la persévérance et de la réussite. Très belle soirée. Merci. Merci, mesdames. On va commencer avec Charlotte. De petite fille qui se réalise ce soir, donc forcément beaucoup d'émotions, beaucoup de questions, mais voilà, que du bonheur. Sûrement demain ou dans les jours suivants. Mais là, on le vit et finalement, on est un peu déconnecté. On ressent quand même un bonheur immense et c'est vraiment l'émotion qui prime ce soir. On est fiers et on a hâte de continuer et de pratiquer l'ostéopathie. Dans cette école, c'est pas un calvaire d'aller à l'école. On n'a jamais été chez nous. Il faut être passionné avant tout, et si vous êtes passionné, foncez. Voilà, c'est que du bonheur. Maintenant que j'ai vu les soutenances et la remise de diplôme, j'ai vraiment très hâte d'arriver à mes cinquièmes années et de commencer le métier qui a l'air d'être un métier vraiment extraordinaire. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte, beaucoup d'excitation. C'est facile de s'adapter ici et tout le monde est très, très altruiste, on va dire, très sociable et tout. Donc vraiment, c'est un plaisir d'intégrer l'école dès la première année. Le fait que tout le monde s'entraide, on se parle tous, on se connaît tous en fait, même avec les professeurs, etc. On est sûr de la coopération plus qu'il y a de l'apprentissage, mais il y a aussi pas mal de coopération avec nos professeurs. Et du coup, on est super heureux d'être là, je pense. Thank you.
une année de PACES, donc de première année de médecine. Et j'ai toujours eu des chevaux, des animaux chez moi, donc je connaissais un petit peu l'ostéopathie. Et en fait, je me suis redirigée là-dessus par passion.